Yesterday we have hier nous avons vu le cas géométrique du théorème de Hyper à Samuel. Et nous avons aussi défini les espaces de Pekovitch pour pouvoir définir des métriques continues. Bon, il faut dire que dans le cas de complexe, bon, c'était plus classique, mais c'est peut être, enfin, le cas complexe peut être inclus aussi dans le cadre de Pekovitch. Et donc, je vais vous donner deux exemples de métriques. Donc, le premier exemple, c'est la métrique de Fubini-Studi. Donc, on commence par un espace vectoriel normé. Sur un corps K muni d'une valeur absolue. Donc on suppose que K est complet. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre l'espace projectif associé à V et en entropie le morphisme canonique vers le spectre K. Et on prend L qui est OV de 1. Qui est le faisceau universel. Et le point, c'est que vous avez, par la propriété universelle qui définit un espace projectif, hein, vous avez un homomorphisme surjectif de pi étoile en haut de V vers ce fibré L. Et donc, si vous prenez un point dans l'espace de Pekovitch, donc c'était représenté par un morphisme du corps résiduel de X vers votre schéma grand X. Et donc, vous avez vous tirez en arrière par ce point, donc vous avez ce pêta va induire un homomorphisme surjectif de V dans ce cas de kappa chapeau de X. Ça, c'est le complété. Du corps résiduel du point, l'image de X dans le schéma. Et qui est envoyé vers L, tenseur OX, kappa X, chapeau. Et là, bah, vous pouvez considérer le produit tensoriel comme ohm de K. Et vous prenez V dual et vous l'envoyez dans kappa chapeau de X. Donc vous avez un isomorphisme comme ça. Bon, bah, on suppose que ceci est de dimension finie. Éviter des petits soucis. Et donc là, vous pouvez munir V dual de la norme duale. Donc ça, c'est la norme duale. Et si vous avez une norme ici, et vous avez une valeur absolue sur ce corps qui prolonge la valeur absolue sur K, vous pouvez construire la norme d'opérateur. Donc ça, là, vous pouvez munir de la norme comme ça, qui est la norme d'opérateur. Donc comme ça, vous avez une norme sur cet espace et vous pouvez montrer que cette norme prolonge la norme initiale sur V. Aussi, vous V comme un sous-ensemble de temps qui envoie un point vers le point tensorisé par un 1. Vous avez ça. Et là, vous avez une norme sur cet espace. Vous pouvez prendre la norme quotient au-dessus. Donc, on va noter FS entre parenthèses X
La norme au quotient. Et dans ce cas-là, vous trouvez une famille qui est une métrique, qui s'appelle métrique Fibonacci, tu dis. Vous pouvez montrer que c'est une métrique continue. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, enfin, c'est uniquement dans le cas où la valeur absolue est non archimédienne. Et non triviale. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez prendre au cas l'anneau d'évaluation. Par rapport à cette valeur absolue. Et donc, étant donné un morphisme projectif, et aussi un X module inversible, donc, vous pouvez parler le modèle, la notion de modèle. Bah, c'est simplement un morphisme projectif plat un rond X hein, vers le spectre de hauteur OK tel que si vous prenez la fibre générique de ce morphisme-là, bah, vous trouvez un schéma qui est isomorphe comme K schéma à X. Et aussi, vous avez un faisceau inversible. Que je note au rond L. Donc, si vous considérez la restriction de rond L à la fibre générique, donc là, par cet isomorphisme, vous obtenez un faisceau inversible sur X. Vous demandez que ce faisceau est isomorphe à L. Et étant donné un modèle de ce couple-là, vous pouvez en déduire une métrique sur le faisceau inversible L. Qu'on appelle métrique de modèle. La construction, c'est le suivant. Donc, vous prenez un X dans X1, et là, vous avez une valeur absolue sur le corps kappa X, et vous pouvez le compléter. Donc, on va noter OX. L'anneau d'évaluation de ce couple-là. Et donc, quand vous avez un point, vous pouvez considérer l'homomorphisme associé à ce point. Donc, vous avez un morphisme canonique de spectre de kappa chapeau de X vers ce X-là. Et ça va vous donner un morphisme BX ronde qui va de spectre de X ronde. Donc là, c'est le critère évaluatif. Hein. De propreté. Donc, dans ce cas-là, si vous avez un S qui est dans L de X, qui est L danseur OX de kappa chapeau de X, vous pouvez définir une norme
qui est l'inf de la valeur absolue de 1, donc avec 1 dans kappa chapeau de x qui est non nul. Et vous demandez que a moins 1 fois s soit dans bx chapeau de l. C'est-à-dire que vous considérez px, chapeau, px étoile en haut de L comme la boule unité dans cet espace vectoriel de rang 1. Et si vous fixez la boule unité, vous obtenez une norme enfin, dans la boule unité et ce que vous attendez. Donc la métrique donnée par L, enfin, est simplement appelée la métrique induite par le modèle x ronde et L ronde. Ok. Donc ce sont deux modèles, deux exemples qu'on va enfin, un peu utiliser dans le cours. Et il y a juste une petite remarque. C'est que si vous fixez un x dans ce PKK, un schéma, un cas schéma, et L, un x, OX module inversible. Si vous avez deux métriques, vous pouvez comparer. Dans ce cas-là, vous pouvez trouver un lambda qui va de x1 dans 0 à plus infini. Dès que vous avez la métrique, enfin la norme en x, c'est écrit comme lambda de x fois la norme de phi prime en x. Bah, en effet, si vous avez deux normes sur un espace vectoriel de rang 1, alors leur rapport est un nombre. Et effectivement, vous avez pour chaque point, vous avez un nombre. Et donc, ça vous donne une fonction. Donc, on va définir la distance entre ces deux métriques, phi et phi prime, comme le sup pour x dans x1, donc log de lambda de x. A priori, ce nombre-là vit dans 0 à plus infini. Mais si les métriques sont continues et pi est d'un morphisme propre, dans ce cas-là, x1 est compact. Et donc, vous avez une fonction continue, vous évaluez le sup d'une fonction continue sur un espace compact. Vous trouvez un nombre fini. Voilà, donc ça, c'est ce que j'aimerais compléter par rapport à la définition de métrique. Et maintenant, je pourrais faire la préparation pour la version métrique du théorème de Hilbert-Samuel. Pour cela, j'ai besoin d'introduire une notion qui est la norme de déterminant. Donc on va considérer un espace vectoriel normé. Donc on va noter R, la dimension de V sur K. Et je vous rappelle le déterminant, donc c'était aussi défini dans le cours de Eric. Donc c'était la puissance extérieure maximale de l'espace V. Et moi je vais tricher un tout petit peu en donnant une autre définition. Donc on va prendre un état dans l'espace de déterminant. On va définir la norme état comme l'inf du produit des y1 r, la norme de xi, tel que état s'écrit comme x1, vg, etc., vg, xr. Bon, ça revient à la même définition donné par Eric, mais ici, je ne demande pas que la norme soit hermitienne ou ultramétrique.
Donc, mais dans le cas où la norme est ultramétrique ou bien hermitienne, ça donne exactement la même définition que Eric a donnée dans son cours. Et donc il y a une propriété qui est intéressante, c'est que ces genres de définitions passent plus ou moins bien pour les suites exactes courtes. Mais en même temps, c'est une petite piège, donc je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc imaginons que vous avez trois espaces vectoriels normés, les espaces sous-jacents forment une suite exacte courte, et vous avez trois normes. Donc, on suppose que le premier norme, c'est la restriction. Et troisième norme, c'est le quotient. Donc, il est assez classique que vous avez le déterminant de V et isomorphe au déterminant de V', produit tensoriel avec le déterminant de V seconde. Donc là, c'est naturel de penser que si vous mettez la norme déterminant ici et le produit tensoriel des normes déterminants, et comment vous obtenez, comment vous comparez ces deux normes? C'est en fait une isométrie lorsque votre norme au milieu est hermitienne ou ultramétrique. Mais en général, vous avez quand même une comparaison. Donc c'est que si vous prenez log de la norme déterminantale quotientée par la norme déterminant seconde produit tensoriel avec la norme déterminant prime et la norme déterminant seconde, et ceci est majoré par 1/2 log du rang de V et égal à 0 si la norme ici est ultramétrique ou hermitienne. Donc je confonds un peu les normes hermitiennes et euclidiennes. Donc si le corps est R, si la norme est euclidienne, alors cette égalité est aussi vraie. Donc là, j'ai écrit le quotient de deux normes. Enfin, j'aurais pas dû faire ça. Il faut le définir. En fait, vous avez l'isomorphisme entre deux espaces vectoriels de rang 1. Donc si vous avez des métriques au-dessus, vous pouvez comparer ces métriques. Donc ça vous donne un scalaire. Donc, ça, c'est bien défini. OK, donc avec toutes ces préparations, je pourrais parler... et le père Samuel métrique. Donc je vous rappelle, vous avez X dans ce spectre K. Vous avez un L qui est un faisceau inversible. Et vous avez phi, une métrique qui est continu. On suppose que ceci est projectif quand même. Et donc on va noter Vn qui est H0 de x L puissance tensorielle AIM. Et sur Vn, vous avez une norme. Je note comme n phi sup. Donc simplement, si vous prenez une section S au tout temps,
Donc vous prenez le sup pour les x dans l'espace de Becquerel associé. Donc vous prenez S, enfin la classe résiduelle de S, et vous pouvez évaluer sa norme. Donc Fi, c'est la puissance tensorielle de Phi. Si vous avez une métrique Phi sur L, ça vous donne automatiquement une métrique tensorielle sur L, puissance tensorielle Nm. Donc je vous rappelle la situation. Donc dans le cas géométrique, nous avons pris une section S dans H0 de X à L non nulle. Et on va noter Y qui est le diviseur de S. Et ben, nous avons fait un peu d'hypothèse. Donc on va noter Bn Y qui est H0 Y L tensor N. Restreint à y. Nous avons écrit une suite exacte, donc vn moins 1 dans vn dans vn y en 0. Et maintenant, d'après ce que vous avez vu ici, vous avez un isomorphisme entre le déterminant. Donc vous avez déterminant de vn isomorphe à déterminant de vn moins 1. Tensor, le déterminant de Vn, Y. Et maintenant, vous mettez des normes Fi sup déterminant. Ici, on va mettre N phi, M-1 phi sup déterminant et produit tensoriel avec la norme de NY et Fi restreint à Y sup déterminant. Donc voilà. Le petit souci, c'est que ici, en général, on n'a pas une isométrie. Et ce qui est pire, c'est qu'on ne peut pas espérer une estimation comme ça avec une constante qui dépend seulement du rang. Mais ça, ce n'est pas possible. La raison, c'est que ici, il n'y a aucune raison que la norme sup sur Y et la norme quotient de la norme sup sur Vn. Ce qui est pire, c'est que vous multipliez les sections ici par S, il n'y a aucune raison que la norme ici, c'est la norme restreinte. Donc S peut être assez arbitraire. Voilà. Donc l'analogue métrique du théorème de Hilbert-Samuel consiste à comparer ces deux métriques de déterminants. Voilà, donc malheureusement je ne peux pas raconter la démonstration parce que c'est un théorème très profond et en même temps assez dur. Donc je me contente à vous donner une remarque quand même importante, c'est que là on a besoin d'une condition de positivité, non seulement pour L, donc oui j'ai oublié de dire que vous avez besoin de supposer que L est ample, sinon ça bloque au niveau géométrique. Mais ici, il faut aussi donner une condition de positivité sur la métrique phi. C'est là que j'aimerais vous expliquer. Donc on va prendre N assez positif. Dans ce cas-là, comme L est ample, vous pouvez plonger X dans l'espace projectif de Vn. Vous avez le faisceau tautologique de Vn. Et il faut faire attention, la restriction de ce machin-là à X vous donne la puissance Nm de L. Et là, vous pouvez mettre. Vous avez la métrique Nφ. Et là, vous avez une métrique qui est donnée par la métrique de Fibonacci-Sudi. Ah oui, j'ai oublié de dire que vous avez un sup ici. Donc vous prenez la norme sup d'abord,
et vous mettez la métrique de Fibonacci 2D. Et par extension, vous obtenez une métrique sur L, puissance tensorielle nème de N. Et comme L est un faisceau inversible, vous pouvez prendre la racine nème de la métrique. Donc vous avez une métrique phi n sur L, telle que n phi n donne la restriction de ça. Donc, a priori, il n'y a aucune raison que phi n est la même chose que phi. Bon, même avec la condition de positivité, ce n'est pas sûr. Donc on va dire phi est semi-positif. Donc si la distance entre phi n et phi tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. C'est-à-dire que, approximativement, votre métrique de Fibonacci 2D tend vers votre métrique initiale. Donc là, je vous donne l'énoncé du théorème. Donc, d'abord, c'est kantien. Il y a aussi Bush. Aussi, il y a Bush. Il y a aussi Hugues Andriam. Etc. Donc, c'est vraiment quelque chose. Okay. Donc le théorème vous dit, on suppose phi semi-positif. On suppose d'abord ce métrique n'est pas trivial. On suppose aussi phi est semi-positif. Donc le théorème vous dit, si vous prenez 1 sur dimension sur k de Vn, et là vous prenez log de cette métrique déterminant, et quotienté par le produit tensoriel et ça vous donne l'intégrale sur x an log de la valeur absolue, enfin de la norme de S, donc c'est 1 de phi à la puissance d. Donc ici d c'est la dimension de x. J'ai oublié quelque chose. Il y a un terme d'erreur qui est grand O de log de n. C'est-à-dire que si vous comparez ces deux métriques, le comportement asymptotique est donné par cette intégrale, plus un terme d'erreur. J'ai oublié un n ici, peut-être. J'ai dû oublier un n. Mais sinon, ça a pas beaucoup de sens. Voilà. Ici, j'ai énoncé le théorème. Qui inclut aussi le cas ultramétrique. Aussi, dans le cas ultramétrique, ce produit-là, il faut prendre la mesure au sens de Champerloire.
Et dans ce cas-là, enfin, on pourrait faire un peu autrement. Donc, on n'utilise pas les, enfin, comment dire, l'analyse L2. On va utiliser plutôt que si vous avez une métrique semi-positive, enfin, dans cette définition-là, dans le cas non archimédienne, vous pouvez approximer votre métrique par des métriques modèles. Avec le modèle ample. Donc vous pouvez prendre une suite de modèles amples qui va converger, dont la métrique associée converge vers votre métrique. Et dans le cas où vous avez des modèles amples, vous pouvez construire des suites exactes dans le cas, enfin, comment dire, sur l'anneau des entiers, enfin, sur l'anneau des valuations, et vous appliquez le théorème d'annulation de Serre, etc. Pour atteindre le même estimé. Donc ça c'est voilà. Donc il y a une enfin, question assez naturelle. Dans le cas où on n'a pas de positivité sur L ou on n'a pas de positivité sur phi, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là effectivement on peut faire la méthode combinatoire aussi sans hypothèse de positivité sur L ou sur la métrique. Donc on va supposer au x intègre. Donc je vais noter K, le corps des fonctions rationnelles sur X. Donc on va supposer aussi, vous avez un X dans XK, un point rationnel régulier. On va fixer un système de paramètres. Donc, je vous rappelle, enfin, la situation, c'est que vous avez un système linéaire gradué. Donc, il faut mettre des métriques au-dessus, donc quel que soit n, on va mettre une norme. Dès que, quel que soit nm, dans n carré, si vous prenez sn et sm dans vn fois vm. Vous avez une sous-multiplicativité, donc vous avez Sn fois Sm. La norme est majorée par la norme de Sn fois la norme de Sm. Donc cette condition est naturellement vérifiée par la norme sup. Donc si vous prenez Vn comme l'espace des sections globales de L à la puissance 1ème, dans L à 1ème, et là, vous obtenez une suite de normes qui vérifie cette condition. Donc là, ça applique aussi dans la situation géométrique. Donc hier, nous avons construit une valuation qui va de K dans z à la puissance d, union plus infini, qui est donnée par l'ordre lexicographique sur z à la puissance d. Quel que soit alpha dans z à la puissance d, on va noter gros alpha de vn comme l'ensemble de s dans vn
tel que V de S plus grand ou égal à alpha, quotienté par S dans Vn, V de S plus grand, segment plus grand que alpha. Donc on va considérer les séries Forbel qui commencent par un monome au moins alpha et quotienté par les séries qui commencent par un monome strictement plus grand que alpha. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que si vous calculez la dimension sur K de Coro alpha de Vn, vous trouvez que c'est ou bien 0 ou bien 1. Donc ça c'est 1 lorsque vous avez n alpha dans gamma de V point. C'est pour ça qu'on pourrait utiliser l'algèbre de semi-groupes pour étudier ça. Donc, je vous rappelle, vous avez aussi K de gamma V point et isomorphe à la somme directe n dans grand n, la somme directe de alpha dans z à la puissance d, gros alpha de Vn. Donc, vous avez cette chose-là. Donc maintenant, si vous avez une norme sur Vn, vous avez un gros alpha de Vn, c'est un sous-espace de Vn quotienté par un autre sous-espace. Donc c'est un sous-quotient de Vn. Donc, si vous avez une norme sur Vn, ça vous donne une norme sous-quotient sur cet espace vectoriel de rang 0 ou 1. Je vais noter comme la norme de n alpha sous quotient. Donc là, il y a une chose à remarquer, c'est que si vous prenez E à la puissance gamma plus gamma prime, donc là, je considère cette algèbre de semi-groupe. Donc là, vous avez pour chaque espace, vous avez un générateur canonique qui est exponentiel de gamma. Donc si vous calculez ça pour la métrique sous-quotient, vous trouvez que c'est majoré par E gamma, gamma sous quotient multiplié par E gamma prime sous quotient. Et cela provient de cette hypothèse de sous-multiplicativité. Donc quand vous passez au sous quotient, c'est pas très grave. Et le point c'est que maintenant, en fait, vous avez un Vn et vous avez une suite de filtration, vous avez une filtration de Vn par des sous-espaces donnés par ce genre de choses, et vous calculez le sous-quotient. Et comme je vous ai dit, le déterminant passe très bien pour les suites exactes, et donc vous avez déterminant de Vn isomorphe à le produit tensoriel pour les alpha dans gamma n, gros alpha de Vn. Ou ce gamma n, c'est l'ensemble des alpha dans Zn, des Zd, pardon, tel que n alpha soit dans gamma de V. Simplement, comme vous avez une filtration de Vn, et quand vous calculez le déterminant, c'est le produit tensoriel des sous-quotients. Donc, comme je vous ai dit, les choses passent très bien pour les sous-quotients, donc je vous répète l'énoncé que j'ai écrit tout à l'heure. Donc 1 sur le déterminant, log de norme n déterminant, sur le produit tensoriel de alpha dans gamma n, la norme de n alpha sous-quotient. Cela est majoré par la log de la dimension sur K de Vn.
C'est un peu plus élaboré que l'inégalité que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc ici, je n'ai pas mis déterminant parce que vous avez des espaces vectoriels de rang 1. Donc la norme, c'est la même chose que sa norme déterminant. D'accord? Et donc une fois si on a ça, vous pouvez rentrer les données dans une machine combinatoire. Et pour vous conduire au théorème suivant. Donc c'était pas écrit exactement de cette façon, mais c'était en fait enfin, ça apparaît dans pas mal de travaux. Donc il y a d'abord mon papier avec Sébastien Poxum qui traite le cas où la valeur absolue est triviale. C'est la première étape. Et aussi, il y a David Wittenstrom qui a étudié le cas complexe, disons. Donc j'ai aussi travaillé avec Kationa MacLean, un collègue de Grenoble, sur ce problème-là. Mais tout ça peut être résumé comme suit. Donc, on va prendre un gamma dans gamma V point. Donc on va définir G de gamma comme moins log de la norme de E gamma, gamma sous quotient. Donc, je répète encore une fois, E à la puissance gamma, c'est un symbole formel qui désigne un générateur canonique de ce gros alpha Vn. Bon, canonique, vous avez quand même fixé le choix d'un point régulier, etc. Mais quitte à faire tous ces choix, c'est un système de générateur canonique pour l'espace sous quotient. Donc, on va supposer une condition de finitude. Donc, on va supposer que sup pour les n alpha dans le semi-groupe de V, A sur n, G de n alpha, est fini. Bon. Alors, vous avez un théorème de convergence. Donc, A sur dimension K de Vn, la somme de n alpha dans gamma V, θ de G n alpha sur n, pour n dans EV, je vous rappelle, c'est l'ensemble de n tel que Vn est non nul. Dans ce cas, vous pouvez normaliser. Donc cela va converger faiblement. Est-ce que tout le monde connaît la convergence faible des mesures? Ça veut dire que si vous avez une fonction continue à support compact, vous intégrez votre fonction par rapport à cette suite de mesures. Et ça va vous donner la limite comme l'intégrale de la même fonction par rapport à la mesure limite. D'accord? Donc aussi, on pourrait exprimer la limite de, la mesure limite. Enfin, c'est assez difficile de calculer la mesure limite, mais on peut donner une description. On va noter G de θV. Donc, je vous rappelle, θV, c'est le corps convexe associé à gamma, au semi-groupe gamma V.
Donc on va prendre une fonction dont la graphe, dans le graphe et le bord supérieur. Des points A sur N, N alpha, G de N alpha. Enfin, faut pas que je dis comme ça, mais plutôt alpha. Donc ici, N alpha dans gamma de V points. Et n est plus grand ou il y a 1. Donc, si vous notez une fonction concave comme ça, alors on pourrait calculer la mesure limite. Comme l'image directe de G par rapport à A sur le volume de θV et l'indicatrice de θV x dx. Quand on prend la mesure uniforme normalisée sur le corps convexe, bah vous prenez cette fonction et vous prenez l'image directe, ça vous donne la mesure limite. Voilà. Donc l'idée essentielle, c'est d'utiliser ça. Donc si vous voulez calculer la norme déterminante, vous pouvez le ramener à un calcul de norme comme ça. Et bien, vous mettez un système générateur canonique à la puissance gamma au tout temps, et vous tournez la machine, et ça vous donne ce genre de choses. Donc ici, je n'exclus pas le cas où la valeur absolue est triviale, mais en fait, c'est non seulement un choix général, mais la vraie raison, c'est que dans le cas arithmétique, on va faire une projection sur le cas d'une valeur absolue triviale. Donc on va ramener la géométrie arithmétique à la géométrie sur une valeur triviale. C'est techniquement utile. Donc maintenant, je passe au cas arithmétique. Donc on va supposer que K est un corps de nombre. Et comme dans le cours d'Eric, on va noter MK. Je ne sais pas si tu as noté MK. Non, c'est VK. Bon, je évite de lui dire V parce que... Je suis désolé. Donc MK, c'est l'ensemble des places de K. Donc je vous rappelle, si vous avez un sigma dans MK, si une place c'est une classe d'équivalence de valeur absolue sur K, et tout le temps on va choisir un représentant dans la classe. Donc on suppose que ça va étendre, prolonge, ou bien... la valeur absolue UGL sur Q ou bien quelques valeurs absolues périodiques. Donc attention, donc ici je demande que la valeur absolue de P, c'est P moins 1. Donc là je note K sigma. Le compléter. En tout cas, avec la valeur absolue sigma. Donc il faut dire que la valeur absolue s'étend de façon unique sur le compléter. Donc là, je vais introduire la notion de fibré vecteur adélique.
dans le sens de Gaudron, sur spectre K. Donc c'est un cas vraiment particulier, mais ce n'est pas forcément rigide, parce que j'ai besoin de discuter les normes sup, donc ce n'est pas très rigide la norme sup. Donc effectivement, il y a tout un tas de termes, de termes d'erreur, mais ce n'est pas très grave quand on passe à la limite. Donc, donc je vous donne, je répète un peu la définition de V-bar. Donc, je vais quand même mettre un chapeau. Donc V avec une famille de normes. Donc on demande deux choses. Donc premièrement, si sigma est non hermitienne, je demande que la norme sigma est ultramétrique. En pratique, c'est pas vraiment des mettre ça, mais pour éviter un peu de complexité, donc je mets quand même cette hypothèse. Donc on suppose aussi l'existence d'une base de V. J'ai oublié de dire que V doit être de rang fini sur K, mais bon. Donc aussi, je suppose que vous avez un sous-ensemble fini de MK, tel que si vous prenez une place qui n'est pas dans S, si vous prenez lambda 1, lambda R, dans K sigma à la puissance R, vous avez lambda 1, E1, plus etc., plus lambda R, OR, sigma, qui est le max de I, lambda I, sigma. Donc c'est presque partout donné par la norme sup de, par rapport à cette base. Bon. Donc en fait, c'est équivalente à la définition donnée par Eric, dans le cas où K est un corps de nombre. Voilà. Donc je vous rappelle quelques invariants introduits par Eric donc, dans son cours. Donc, pour les S dans V privé 0, je vais donner la version logarithmique de hauteur hein, que je note comme degré de S. C'est moins la somme de sigma dans MK, la dimension de K sigma sur Q sigma, log de la norme S sigma. Et aussi, vous pouvez définir le degré chapeau de V par une formule très similaire. Donc c'est aussi K sigma sur Q sigma. Mais ici, on met log de la norme de état sigma déterminant. Et état, c'est un élément dans le déterminant de V qui est non nul. Et par la formule du produit, ça ne dépend pas du choix de état. Je vous donne le cadre arithmétique. Donc on va considérer pi de x dans spectre K, un schéma projectif. Pour sigma dans MK, on va noter x sigma comme x produit fibré
sur spec A1, K par rapport à un spec K sigma. Donc vous avez une projection canonique que je nomme de P sigma. Là, on peut parler des fibres inversibles adéliques sur X. Donc simplement, ça c'est la donnée d'un faisceau inversible avec une famille de métriques. Donc phi sigma c'est une métrique continue. Sur L sigma qui est P sigma étoile en haut de L. Donc, on va tirer en arrière de L par ce morphisme de projection. Donc, on obtient quelque chose qui est infibré sur un schéma défini sur le corps évalué. Et vous pouvez me parler de la métrique. Donc, bien sûr, il y a une hypothèse qui est similaire à la deuxième condition ici pour que les invariants soient bien définis. Donc, on suppose, vous pouvez trouver un modèle XL attention ici au cas c'est l'anneau d'évaluation non c'est l'anneau des entiers c'est encore tel cas pour tout. Sauf un nombre fini de sigma. Donc on demande que phi sigma est induit par le modèle ici. Donc il faut tirer en arrière de x et l par k sigma. Si vous avez un modèle entier sur l'anneau des entiers, ça va vous donner pour chaque sigma non archimédienne un modèle pour l'anneau local. Donc une conséquence, c'est que si vous prenez pi étoile en bas de L bar, qui est défini comme H0 de XL, donc la norme de phi sigma sup pour les sigma dans MK, ceci c'est infibré avec la adélique. Bon, il faut vérifier, mais c'est essentiellement la même chose de dire que là. Donc ici, c'est presque la même chose de dire que pour tout sigma sur un nombre fini, votre métrique provient d'un modèle entier, en fait. Ok, donc là, je pourrais énoncer le théorème. Donc, le théorème a une très longue histoire. C'est d'abord démontré par Sillé et Soulet en utilisant leur théorème de Riemann-Rohr arithmétique. Mais là, peut-être il faut des conditions de régularité sur les métriques à l'époque. Et puis, c'était redémontré par Abbès et Pusch en utilisant la version métrique du théorème de Hilbert-Samuel que je vais rappeler.
Donc, c'était aussi montré par Hugo Andream. Donc, il a utilisé une méthode, un argument de convexité pour la métrique qui est très différent de la méthode de L2. Donc, il a pu aussi obtenir un résultat pour un cas plus général, hyper-Samuel. Donc là, il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur ça. Notamment, ils prennent la métrique L2 au lieu de métrique sup. Donc, ça a, particulièrement, ça a un sens lorsque la métrique n'est pas définie par tous. Il y a des métriques singulières dans ce cas-là où la norme sup n'est pas bien définie. Donc, il faut vraiment passer par la norme L2. Donc, on va supposer qu'elle est ample. Les métriques à semi-positive, sans semi-positive, et dans ce cas-là, vous avez à la limite lorsque n va à l'infini, degré chapeau de pi autour là en bas de L dans ce n sur n à la puissance de d plus 1 sur d plus 1 factoriel. Ça, c'est donné par la hauteur de x, la hauteur définie dans le cours de Christophe Soulet. Et bien, si vous regardez dans la définition de hauteur, vous avez un argument, enfin, une construction par récurrence, et vous avez la hauteur d'un diviseur d'une section, mais il y a aussi un terme d'intégration sur l'espace analytique associé. Et ce terme d'intégration correspond au théorème de Hyper-Samuel métrique. Et ça vous donne le résultat. Ici, il y a aussi le fait que le degré chapeau peut être calculé en termes d'une somme par rapport à la log de la norme de déterminant. Et donc, ça vous donne le résultat qu'il faut. C'est tout pour aujourd'hui. Et demain, je vais parler un peu le reste, c'est-à-dire que sans condition d'amplitude et semi-positivité, on peut obtenir des choses similaires en faisant la projection à la valeur absolue triviale, et je vais parler un peu les applications du théorème de Hyper-Samuel, notamment dans la technique déterminantale de RISP. Merci.